filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme le titre l'indique, ça sera un haul vêtements petite fille. Donc vous savez que j'ai des jumelles si vous me suivez sur les différents réseaux sociaux et on me demande très souvent de faire des vidéos haul avec ce que j'achète pour mes filles. Alors je vous avoue que je n'achète pas très souvent des vêtements pour mes filles. Alors je vous explique tout simplement pourquoi. Parce que en fait je me suis fait un peu avoir dans le sens où il y a plein de vêtements qu'elles n'ont pas portés. Après voilà, je les ai offerts et tant mieux, ça me fait plaisir d'offrir. Mais mes filles vont à l'école, en fait elles vont pas à l'école, on appelle ça des kindergarten ici à Singapour. Et alors elles portent un uniforme. Donc elles sont en uniforme du lundi au vendredi, tous les jours, alors il n'y a que les samedis dimanches qu'elles portent des vêtements. Donc du coup c'est vrai que j'ai pas mal de vêtements on va dire en avance par rapport à leur âge, donc j'achète pas parce que finalement il n'y a que le week-end qu'elles portent leurs vêtements, donc elles n'ont pas besoin d'énormément de vêtements. Mais alors Samy Dress, quand ils m'ont recontacté, je me suis dit pourquoi pas tester les vêtements pour enfants. Et alors j'ai pris des petites choses, il y a des choses que je trouve pas mal et il y a d'autres choses que je trouve un peu moins bien, mais donc je vais vous montrer tout ça. J'ai pris que des robes, enfin des ensembles, vous allez voir, pour petites filles. J'ai voulu tester aussi les textiles, donc j'ai pris, vous allez le voir de toute façon puisque j'ai filmé, un ensemble couette, drap plat, drap housse pour le lit. Et franchement c'est de superbe qualité, donc c'est en coton, 100% coton. C'est un rose, mais vous voyez c'est pas un rose trop girly, c'est un rose vraiment pâle qui reste très doux. Voilà, j'ai été franchement agréablement surprise, surtout qu'il coûtait quand même 60$ ou 60€. Et voilà, je me disais bon, si franchement c'est pas terrible pour le prix, et finalement quand j'ai déballé et que voilà, j'ai mis, voilà, j'ai tout installé tout ça, je me suis dit pas mal quand même, plutôt pas mal. Donc voilà, et vous savez que tout ce qui est de toute façon la literie, les rideaux, etc., ça coûte quand même assez cher, mais je trouve quand même que ça donne plutôt un beau rendu, j'aime bien, ça fait girly mais en même temps pas trop, ça reste une couleur assez douce. Alors les filles, on va passer maintenant aux vêtements. Alors les vêtements, la plupart les filles, mes filles les ont portés. On va commencer au fait par ça ici, ce sont des petites robes. Des petites robes, la gaffe que j'ai faite c'est que j'ai pris en 120, elles ont 3 ans et c'est un peu trop grand, mais je leur ai quand même, elles ont déjà porté plutôt comme une robe. Après je pense que quand elles seront plus grandes ça sera plus une tunique, mais là j'ai mis ça avec des petites bottes, c'est trop mignon, vous voyez c'est un haut comme ça, une chemise, donc vous voyez qu'il y en a deux. Oui, il y a des études qui disent qu'il ne faut pas habiller les jumelles pareil, etc. En fait moi franchement les filles je les laisse choisir ce qu'elles veulent, mais très souvent elles ont envie de s'habiller pareil, donc pas. Mais donc c'est vrai que quand il y a un modèle avec des coloris différents, j'essaie de faire ça. Voilà, là c'était les mêmes, il n'y avait pas d'autre choix, donc j'ai trouvé vraiment les motifs très jolis. Ce sont des petits champignons, alors la texture est chaude, au fait c'est vraiment un peu comme du velours, vraiment super belle, super belle. Le seul truc, comme je vous dis, c'est que c'est moi au fait qui me suis trompée au niveau des tailles, j'ai pris 120, pour les autres j'ai pris 110, ça va, c'est un peu trop grand mais ça va, vraiment ça c'est un coup de cœur. Je vais commencer d'ailleurs par les coups de cœur, je vais vous montrer un autre ensemble qui est super mignon. Alors il y a plein d'ensembles, donc là ici ça vient ensemble comme ça, donc c'est une robe, une genre de robe tunique avec la petite veste en jean, franchement c'est trop mimi, vous voyez. C'est trop mignon. Alors moi ce que je fais c'est que des fois je leur porte la robe toute seule, du coup ça fait comme une tunique avec un petit legging noir, voilà, rien de plus. C'est du coton, voilà, c'est bien cousu, les finitions sont belles, c'est chaud. Donc il fait chaud ici, mais le truc c'est que souvent quand on sort on se retrouve dans la clim, et la clim dans le bus, dans les centres commerciaux, à l'école, c'est franchement c'est fort. Souvent ils mettent la clim très forte, je sais pas pourquoi, ils ne savent pas régler la clim. Mais donc du coup, voilà, quand on sort à l'extérieur, c'est le genre de vêtements que je leur mets. Là pareil, je leur ai pris la taille 110, c'est un tout petit peu trop grand. Un tout petit peu trop grand, mais ça va, ça leur va vraiment bien. Mais je pense qu'elles vont pouvoir porter ça très longtemps. On va continuer les filles maintenant avec ces petites robes. Elles sont super mignonnes, elles sont très belles. J'imagine ça, vous voyez, pour une occasion, pas forcément, de toute façon, je trouve ce genre de robe très beau, même pour tous les jours. Vous voyez, c'est des robes comme ça. Bon, vous allez voir quand mes filles vont les porter que c'est pas aussi rose que ça, mais là, c'est avec la lumière. Elles sont vraiment mignonnes. Après, vous voyez, c'est une genre d'imitation, comment on appelle ça, comme de la dentelle. Le seul truc, c'est que là, je l'ai lavé, et voilà, il y a des petits endroits où je vois que ça bouloche. C'est pas de la superbe qualité par rapport aux autres articles que je vous ai montrés, mais ça reste quand même très mignon. Vous voyez, donc c'est trop mignon, c'est trop mignon. Voilà, alors un de mes coups de cœur aussi, donc là c'est ça. Je sais pas pourquoi j'en ai pas pris deux. J'ai pris taille 9, je sais même pas c'est quoi taille 9. Alors c'est Maliam qui a porté ça.
Regardez-moi ça, c'est trop mignon, franchement c'est trop beau. Vous voyez, donc c'est un haut mais avec le bas là comme ça en dentelle, donc c'est pas transparent, il y a un genre de t-shirt en dessous comme ça, et c'est so cute, c'est trop mignon, et voilà, franchement j'aime trop, c'est trop beau. Vous me direz ce que vous en pensez, et ça je pense que je reprendrai pour Rania, mais vraiment c'est trop mignon. Je vais pas arrêter de dire que c'est mignon. Alors, une autre chose que je voulais vous montrer, c'est ce petit haut. Donc ça, c'est Rania qui l'a choisi. Bon, ça ressemble un peu au haut que je vous ai montré, noir et blanc. Sauf que là, voilà, c'est un haut basique, tout simple, vous voyez, en coton. D'ailleurs, elle l'a déjà taché, j'ai lavé, et ça se voit pas, mais c'est pas parti. Donc c'est du coton, basique, tout simple, avec une petite ceinture. Ça lui sert déjà un peu. Donc je crois que ça, elle va encore porter peut-être une ou deux fois, et après, voilà. Mais c'est un truc tout simple, basique, voilà, on va pas dire que c'est un coup de cœur, ça reste un petit t-shirt basique. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, malheureusement j'ai pas pu vous filmer la tenue portée puisque elle devait porter ça ce week-end, et en dernière minute, c'est ce que je vous disais, Mariam, au fait, elle a choisi ce petit ensemble et finalement elle a vu sa soeur Rania avec une autre robe et elle m'a dit je veux la même robe, donc du coup, mais c'est trop mignon, vous voyez. Alors jaune parce que c'est elle qui a choisi, elle aime la couleur jaune. C'est un petit haut tout simple comme ça, jaune. Il est pas jaune pétant, comme vous voyez là, c'est un jaune un peu moutarde foncé, vous voyez. Et alors, vous voyez, c'est avec les petites épaules, donc les épaules sont dénudées, c'est franchement trop mignon. Je l'ai pris en taille 6, je sais pas c'est quoi 6, ça lui va, c'est vraiment mignon. Et alors, c'est trop choupiné parce que ça arrive avec un tout petit short comme ça. Et alors, j'aime bien le short parce que c'est une matière un peu comme du lin, franchement c'est trop mignon. Donc le short, bien sûr, je peux le mettre avec autre chose, mais... j'étais plutôt satisfaite parce que je me disais bon, ça m'y dresse, je vous ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. J'avais acheté au fait tous des voyez les décorations pour faire le coin jeu de mes filles, je vous mettrai la vidéo en suggestion. Et voilà, j'avais pas envie de tester les vêtements, je me suis dit allez, il y a des tapis, y a des coussins pas chers, etc. J'avais pris ça et ils m'ont contacté, ils m'ont dit écoutez, est-ce que vous voulez tester les vêtements, et j'aurais dit oui, je veux bien tester mais pas pour moi. Oui, je suis fidèle à Chine, oui, mais je me suis dit pourquoi pas tester pour les filles, et comme ça en même temps ça fera plaisir aux mamans qui me disent voilà, est-ce que tu as déjà testé des vêtements, des sites chinois, etc. pas chers pour les enfants. Donc voilà, c'est chose faite, et je pense que je repasserai peut-être une commande, je verrai, hein, parce que comme je vous disais, le truc c'est que elles portent plus leurs vêtements, finalement elles ne portent plus leurs vêtements, donc du coup je préfère vraiment leur mettre en tout cas les vêtements qui sont pile à leur âge et à leur taille maintenant, pour voilà, pour ne pas les laisser et finalement devoir les donner alors qu'elles ne les ont pas portés. Mais voilà, en tout cas je suis très contente, très satisfaite de cette commande, ça m'y dresse. Je vous laisse tous les liens en barre d'informations comme d'habitude. Voilà, je vous fais les filles de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.